Eh bien salut les amis, c'est Kermando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Yokai Watch Puni Puni sur la chaîne. Alors comme je vous ai dit, j'ai complètement arrêté de jouer au jeu, genre je m'y connecte presque plus jamais, je récupère même pas les récompenses journalières, j'y joue vraiment plus. J'ai cliqué par erreur sur l'événement qui était en cours, donc j'ai vu l'espèce de cinématique pseudo sur la nouvelle map, mais j'ai même fait zéro niveau. Je me suis connecté par contre il y a quelques jours parce qu'on gagnait 8000 Y points si on se connectait, donc je me suis juste connecté, je les ai pas utilisés. D'ailleurs j'en ai combien maintenant? J'en ai pas mal, mais je joue pas les utiliser. Peut-être qu'un jour je vous ferai un épisode du Bingo Kai quand on en aura beaucoup, voilà, j'en ai 10 000. Mais ça m'intéresse pas, c'est pour avoir des yokai qui m'intéressent pas, voilà. Bref les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, on continue quand même la map, parce que ça je vous avais dit qu'on le ferait. Vous m'avez dit qu'il y avait une autre map après, mais en tout cas, là cette vidéo sera peut-être intéressante pour certains d'entre vous. Bah déjà parce que si vous aimez Puni Puni, ouais peut-être, mais en plus de ça parce que j'étais jamais allé jusque à cette map là. Enfin elle y était pas dans la version américaine, donc si vous jouez à Puni Puni, il y a pas beaucoup de solutions en ligne. Donc la plupart d'entre elles sont en anglais, donc comme ça vous comprendrez comment passer à la suite. En tout cas, merci encore aux traducteurs du Spectroblog pour... je me suis servi de leur guide, en fait, pour avoir les différents objectifs, parce que en vrai, c'était la même chose sur Weeble Wobble, j'ai l'impression qu'on peut pas les deviner, les objectifs. Genre, c'est jamais des objectifs très durs, en tout cas pas pour ce genre de choses-là, mais tu peux pas les deviner, enfin j'ai l'impression, parce que t'as aucune quête qui te dit fais ci, fais ça, c'est genre juste tu fais au hasard et un jour tu tombes dessus. J'en sais rien, ça se trouve c'est écrit, mais bon, comme je dis pas le japonais, mais je crois que sur Weeble Wobble c'était pas marqué, donc c'était assez galère. Bref, le stage 374, bref, attendez, dans l'ordre, il faut récupérer Mitovni. Pour passer à la suite, il faut récupérer Mitovni. Mitovni, c'est un yokai qui apparaît rarement sur certains stages de cette map. Moi, je l'ai eu sur le stage 374. Donc, pareil, vous entrez dans le combat. S'il est pas là, bah, vous recommencez jusqu'à l'avoir. Il aime les sushis. C'est pas très difficile de devenir son ami. Je l'ai eu du deuxième coup, donc voilà. Mais il est indispensable. Là, je l'ai mis dans mon équipe, même s'il est niveau 1. Mais c'est pour l'XP un peu, parce que je vais en avoir besoin pour le stage 380, je crois. Bref. Allez, c'est parti les amis. Le stage 380, il est où? Ah, il est là. Bah, on va aller au stage 380 maintenant, alors. Parce qu'il me semble que c'est bien ça, en fait. Il faut, justement, finir le stage 380 avec la multime de Mitovni. Bref, les amis, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et c'est parti. Donc, il y a beaucoup moins de vidéos sur Puni Puni qu'avant, mais c'est normal, hein. Je vous ai dit, comme je suis carrément moins à fond dans le jeu, c'est à peu près logique. Mais je passe énormément de temps en ce moment sur Brawl Stars et en fait, je préfère Brawl Stars, c'est ouf. J'aurais dû commencer plus tôt, en fait, Brawl Stars, parce que j'adore vraiment. Alors, bref, dans tous les cas, faut quand même pas traîner, parce que sinon ça va nous poser problème. Mitovni, il a pas beaucoup de vie. C'est quoi son ultime à Mitovni? J'aimerais bien voir. Attends, Mitovni, on verra. Quand est-ce qu'on a la fever là? C'est bon, on l'a, parfait. Alors, ok, voyons voir. Mitovni, c'est quoi ton ultime? Ah, je devrais d'abord faire ça. Il y a un Shogunen Crystal. Ouais, il y en a en bas. Vas-y. Mitovni, qu'est-ce que tu fais? Mais attendez, mais c'est la multime de Bizaria, ça. C'était genre littéralement la multime de Bizaria. C'est pas une multime très forte, hein, quand même. En même temps, je sais pas ce qu'il est, Mitovni, mais je crois qu'il doit être... je sais pas, rang C? Rang D? Je pense pas qu'il soit plus que rang C. C'est peut-être un rang E, j'en sais un, mais en tout cas, je pense pas qu'il soit plus que rang C. Je me trompe peut-être, hein, je le connais pas trop, Mitovni, mais bref, c'est pas un yokai ouf, quoi, dans tous les cas. Regardez déjà ses stats, hein. Bon, je sais qu'il est niveau 1, mais bon, il a quand même pas des stats exceptionnelles. Mais il est obligatoire. Donc je le mets dans mon équipe maintenant et je le retirerai, de toute façon, quand j'en aurai plus besoin. Parce que ce genre de yokai, on s'en sert maintenant, puis après on s'en sert plus jamais. C'est souvent comme ça sur ce genre de map et sur ce genre d'objectif. Alors... ok... ah, ça je veux charger, parfait. Non, non. Ouais, Mitovni, ok, très bien. Non, ça, Mitovni, en fait, je m'en moque. C'est pas dans ce stage-là, en plus, qu'il faut que je le charge. Ah, je me galère. Mais non, mais attendez, mais je me trompe. Là, ouais, parfait. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi, donc bon, déjà j'étais pas très fort de base. Mais alors là, si je suis encore plus nul, vous moquez pas. C'est que effectivement, ça fait longtemps. Mais il est où, Crystal? Il est où? Il était là. J'y vais sur Kyubi. Mince. Dommage. Dommage. Enfin, Kyubi. Kyubi Puni plutôt. Ok.
Vas-y, Mitovni. Je pense que ça devrait les tuer quand même. 21 000 points, peut-être pas. Peut-être pas, très bien. Punikyubi, viens. Ouais, parfait. Parce que j'ai un petit peu peur quand même. Vu que j'avais pas utilisé le booster de score, enfin d'attaque au départ, c'était pas certain. Ok, très bien. Très bien. Ah, mais j'ai pas regardé exactement combien il fait de dégâts, Mitovni, sur son âme ultime. Parce que ce sera peut-être difficile justement de tuer le dernier yokai avec avec un Mitovni qui va faire quasiment aucun dégât. Hein. Je sais pas, on va voir. Déjà on l'augmente de niveau, mais on verra quand on y sera. C'est le stage juste après. Bon, il va pas avoir beaucoup XP quand même. Hein. C'est mieux que rien, mais c'est vraiment pas ouf. Alors, Bananar, c'est ça, c'est Bananar. Web. Mais attendez, mais il n'y a que des Mitovni là, cette histoire. Vous allez voir qu'au prochain stage, par contre, là où j'ai besoin de Mitovni, il n'y en aura plus. C'est ça, c'est toujours comme ça avec moi. Ok. Je voudrais faire un test quand même. Ah bah c'est bon, il a son ultime de charge. Et vas-y, utilise, tu fais combien? 1500, d'accord. C'est vraiment pas grand-chose, j'avais raison. Mikubi, vas-y. Ok, chargé. Qu'est-ce que je vais faire là? Ce serait bien de d'avoir lui. Oh, je l'aurai pas. Non, je n'ai pas assez. Dommage. Bon. Un Shogun de cristal. Voilà maintenant. Punikyubi. Qu'est-ce que je vais charger d'avance? Oh, rien. De toute façon, j'aurai le temps de réutiliser aucune ultime, je pense. Il y a de grandes chances. Oh, peut-être que si j'avais lié un petit peu mieux. Ouais, tant pis. Si, si, c'est bon. Je peux réutiliser Shogun de cristal, très bien. Mais en plus, il était chargé le booster d'attaque, j'aurais dû l'utiliser. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ok, c'est fini. Ok, génial. Allez, allez, on passe à la suite, là. Il va arriver niveau 10, quand même, Mitovni. Ouais, peut-être pas maintenant, mais en tout cas, au prochain stage. Il était pas loin, il était pas loin, mais... Alors, donc, c'est sur ce niveau. On a dit qu'on faisait 1500 points de dégâts, c'est ça? Il faut finir le stage avec l'âme ultime de Mitovni. Donc, hors ébullition, bien entendu, comme d'habitude. Donc, bah écoutez, déjà, je vais charger l'âme ultime de Mitovni. C'est pas grave si j'utilise un continu. Enfin, ce serait bien de pas le faire, mais c'est pas grave. C'est juste que j'aurais la flemme de recommencer le combat, donc... Ça fait très bien de charger vite une fever... J'y arriverai pas, je pense, à charger la fever. Ah, ça, ça peut être pas mal aussi, de base, s'il est chargé. Ok, très bien. Alors. What? Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord, j'ai pas tué. Mince! J'y arriverai pas. J'y arriverai pas sans game over. C'est certain. Bon, tant pis. Vas-y, tue l'autre. Et là, ouais, j'ai plus que de 220 PV, c'est sûr que... Ouais, c'est sûr que je vais perdre. C'est pas grave, on va pas prendre de risque. Donc on lui retire le plus de vie qu'on peut. Ah, mais non, mais on est en fever, là. Ah, c'est pas bien. Je risque de le tuer par erreur. J'espère que je vais pas le tuer. Ah, ça, c'est bien. Ah, ah, ah. Oh, il a rien perdu en vie. Non, non, c'est bon, je vais faire game over. Allez. Mais attendez, mais ils ont trop de vie les mecs ici, c'est ouf. Vas-y, encore un ultime. Non mais j'essaye de survivre hein, quand même. Attendez, il lui reste combien de vie là? Il reste 1600. 1600 avec le booster de score, c'est peut-être possible. Attendez. Voyons voir. Là il va me tuer hein. Je pense que c'est bon. Yes! Ok, c'était chaud. Je sais pas comment j'ai fait pour pas avoir de game over. Genre, merci Sailor Nian. Hein. J'ai hésité justement à changer Mitovni par Sailor Nian. Enfin, à changer Sailor Nian par Mitovni. Et en fait, j'ai plutôt changé Siro. J'ai bien fait de ne pas changer Sailor Nian. Bref, ok, le premier objectif est fait. Maintenant, faut aller en haut et faut aller... Ah! Ici c'est lequel? C'est le stage numéro combien? C'est le stage 373. Donc ouais, il faut débloquer le stage qui est juste à côté. Pour le débloquer, il faut faire un combo de 55 ou plus. Donc ah, elle est stylée l'image de celui qui était premier là en bas. C'est pas un perso du Kawash pourtant. Stylé.
Alors, un combo de 55, bah pour moi, je fais comme ça hein, pour faire des combos. Hein. Voilà. Je sais que je risque de mourir, mais d'accord, loupé. Non, c'est bon, ça a pas annulé mon combo. 55, c'est pas très dur, hein. C'est juste que effectivement, faut faire attention. Faut y aller plutôt tranquillement. En fait, ce qui va surtout être dur, je pense, c'est de ne pas mourir durant le combo. En fait, pour faire un combo, il faut en lier deux, au moins. Et après, les éclater dans la seconde ou dans les 3 secondes, j'en sais rien, j'ai jamais vraiment vérifié. Je vais mourir, et ça va m'annuler mon combo, ça, non? Il y a de grandes chances. Ah, mais on est en fever, ça tombe bien, tiens. Ça va me sauver la vie, la fever. Non, ok. On est à 37, on va peut-être pas y arriver. Hein. Non, j'y arriverai pas. Et si j'utilise une âme ultime? Ça m'annule pas mon combo, mais... non, attendez, j'ai fait n'importe quoi. Ah, j'ai loupé mon combo. Bon, ok. Alors, je pense qu'en fait, pour y arriver, le mieux, c'est d'abord d'en tuer un. Ok, vas-y, tue-moi. Après, on continue. Voilà, parfait. Mais ouais, le mieux, c'est d'en tuer un, parce qu'en fait, t'as le temps. C'est juste que quand les deux t'attaquent... ou alors, fallait retirer Mitomi de mon équipe. Effectivement, j'aurais dû faire ça avant. Bon, tant pis, c'est pas grave. On est reparti pour le combo. Enfin, pour les combos, faut pas stresser, faut y aller tranquillement. Voilà. Ah, c'est beaucoup mieux, là. Quand tu stresses pas, ça va mieux. Ok. Faut être vraiment rapide, hein. Faut faire attention. Vous avez vu tout à l'heure quand je me suis loupé, donc... de toute façon, je pense que même si je m'étais pas loupé, j'aurais eu le game over quand même. Je suis pas sûr, mais il y a des chances. Il y a peut-être d'autres moyens de faire des combos. Je crois qu'on m'a dit qu'il y a certaines âmes ultimes qui font des combos, comme par exemple les traceurs. Je ne sais même plus quel yokai j'ai qui est traceur, donc je ne le fais pas, mais... apparemment, il y a d'autres moyens, quoi. Moi, je fais vraiment le moyen dur. Je fais le moyen galérien, quoi. Ok, mais c'est en même temps un moyen que n'importe qui peut faire, quel que soit les yokai qu'il a, quoi. Et... voilà, on y est, on est à 55. Bon, on dépasse. Ah bah non, allez, on y va. Ah mince! Vas-y. Ensuite, on va essayer d'utiliser... ah, on n'aura pas Shogunen de cristal, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps parce que ça va grossir, et le temps que ça grossisse, la multime sera finie. Dommage. Ok, dommage. Ah mais quoi que si, il était chargé. Ah, j'aurais pu. C'est pas grave. Bon, alors, ça c'est fait. Maintenant qu'on a débloqué le stage d'à côté, bah je pense que vous avez compris. Oh allez, ouais, je peux payer. De toute façon, c'est 300 yens. Vu le nombre de yens que j'ai, je peux payer. Certains d'entre vous d'ailleurs me demandent quand est-ce que je reprends ma série Yokai Watch Medal Wars. Je vais le reprendre, mais Medal Wars, comme je vous l'avais dit, c'était en... là, il n'y a pas d'objectif, faut juste finir le niveau. Medal Wars, c'était en mode... ah d'accord, ok, faut des tribus particulières. C'était en bêta. Donc le jeu, là, la bêta, elle est finie. Donc quand le jeu ressortira, bah je continuerai. Mais c'est pas le cas maintenant. Enfin, c'est pas le cas maintenant, quoi. Moi, je m'embête pas, hein. J'ai mis les meilleurs yokai des tribus suggérées qu'il y avait. De toute façon, je ne pense pas que le stage soit très difficile, hein. Je pense qu'avec full rang SSS, ça risque d'être... peut-être pas facile, mais faisable. Mais non, mais si, mais ça va carrément être facile. Enfin, c'est obligé, quoi. Et là, je me fais exploser. Non, ne parlons pas de ce genre de malheur. Alors, par contre, faudrait que je charge des âmes ultimes quand même. Parce que c'est même pas un boss, en plus c'est juste un yokai normal, donc en gros t'entres en fever et c'est bon, il est mort. Ok, je sais même plus ce qu'il fait, Overnian rend SSS, je crois que c'est SS. Ah d'accord, j'ai aucune âme ultime de charger, tiens. Ça c'est génial ça. Alors, vas-y, ça c'est bien. Sodarta. Y a pas eu Sodarta? Mince, trop dommage, c'est quoi ça alors? Ok, il attaque directement. Ok, très bien. Sodarta, non, même pas. Ok, d'accord, j'arrive pas à avoir la multime de Sodarta. C'est bon, on l'a. Alors que ça aurait dû être la première, quand même. Parce que c'est comme Punitubi, en fait. Ça fait la même chose. Donc ça aurait été bien que ce soit la toute première chargée. Mais non, finalement, ça se retrouve être la dernière. C'est pas grave. Ah, parfait. Bon, là, elle peut pas survivre. Je sais même plus comment elle s'appelle, elle. Mais elle peut pas survivre à ça. Hein. Voilà. Elle pouvait pas survivre à tout ça quand même, hein. Fallait pas abuser. Donc je crois qu'il n'y a pas d'objectif, hein. Il suffisait juste de faire le niveau. On va voir ça. Ah mais il était même pas niveau 50 mon Shogunen Crystal.
Je viens de remarquer. Ouais, donc c'était bien ça. On a fait le deuxième objectif. Maintenant, le dernier objectif, il est au bout de la route, là, le 386. Et c'est un objectif dans lequel il va falloir faire des dégâts avec des minions, je crois. Je crois que c'est ça. On verra quand on y sera. Et nous voilà au stage 386. Je vous ai passé tout ça parce que, bon, vous le savez, hein, les maps de Pouni Pouni, moi, j'aime bien les parcourir. Mais il faut avouer quand même que c'est sacrément répétitif. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas les bons yokai. Parce que comme je vous ai dit, il faut un yokai mignon. C'est un yokai mignon qui doit faire 4000 points de dégâts. Et attention, parce qu'il doit faire 4000 points de dégâts, mais en dehors des fevers. S'il le fait dans une fever, ça ne marche pas. Quoi? Ah oui, ok. Non, c'est ici les rangs. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit? Il doit le faire en dehors d'une fever, oui, parce que dans une fever, ça marche pas, voilà ce que j'ai dit. Alors, ok. J'ai que elle, c'est ma meilleure, mais c'est nul. Je pense qu'elle pourra. J'en sais rien, j'espère. En tout cas, il faudrait des boosters d'attaque. Je suis en train de... Lui, c'est un booster, non? C'est un booster d'attaque, je sais plus. Non, c'est lui le booster d'attaque. Je crois que c'est ça, ok. Donc elle, elle va là. Attendez, on va prendre toutes les tribus et on va mettre les meilleurs boosters d'attaque que j'ai. Donc, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai joué. Alors, il y a lui, mais il est pas si ouf. Ouais, il y a lui aussi. Bon, on va voir. Faut qu'elle fasse 4000 points de dégâts. 4000 points de dégâts, c'est pas non plus le bout du monde. Normalement, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais normalement, ça se fait. Hein, sans trop de problèmes. Surtout avec des yokai de rang SSS, quand même. Alors, ok. Au début, je cherche toutes... Non, non. Ok, je cherche toutes les âmes ultimes. Ok, c'est même pas chargé. Très bien. Il y a trop de bleu, là. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Vas-y. Ok. Je vais probablement passer en fever, mais c'est pas grave. J'ignorerai la fever, en fait. Voilà, on est en fever. Donc, on s'en moque. On continue de charger les âmes ultimes. Voilà, il reste plus que patte rouge, c'est bon. Alors maintenant, si j'utilise tout le monde, mais attendez, mais après faut que j'y arrive le combat, ça va être surtout ça en fait qui va être dur. Ça va être surtout ça, je vais me faire tuer. Attendez, je vais essayer de tuer celui-là. Combien de dégâts on fait? Et... Ah, on y est arrivé. Mais alors, on peut pas dire qu'on y soit arrivé de vraiment beaucoup, hein, c'est... genre, c'est pas le double, c'est pas le triple, c'est assez serré, quand même, en fait. Bon, c'est parce qu'elle est pas très forte, hein. J'ai pas vraiment de très bons minions, en fait, c'est surtout ça. Bon, après, j'en avais probablement peut-être des meilleurs, c'est juste que je les connais pas assez, les yokai. Puis, en plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Il faudrait refaire une fever, là, ce serait bien. C'est tout ce que je veux. C'est bon. Alors, maintenant, on peut utiliser toutes les âmes ultimes, et là, je pense qu'on va le tuer, quand même. Si on a ça en début, en ébullition, on devrait quand même le tuer, le feu lion. Je ne sais pas, hein. Ah, attendez. Komajiro, qui ne ressemble absolument pas à Komajiro, mais... qui fait une danse bizarre, d'ailleurs. J'avoue qu'il fait son âme ultime, il est trop bizarre, le Komajiro, là, de Shadowside. Hein. Bon, ça suffira pas, je pense. Je sens que ça suffira pas. Si, si, c'est bon. Je sais pas combien de vie il avait, hein. Mais c'était assez chaud. Bref. Ah mais oui, maintenant faut faire le stage secret. C'est vrai. Je vais changer mon équipe d'abord. Ouais, je vais changer mon équipe parce que... C'est bon, ok. Ça débloque bien le truc, c'est ce que je vous avais dit. Mais ouais, je vais changer parce que celle-là, elle est pas ouf. Et donc là, faut battre Omni-Tonton. Ah mais mince, c'est vrai que... Ok, j'avais changé mon équipe, mais en fait, non, parce que ça m'oblige à prendre certains trucs. Ah ouais. Ah mais ça m'oblige à prendre des trucs nuls en fait. D'accord. Bon, c'est pas un stage impossible je crois, non? Si, c'est un stage impossible. Ouais mais attendez, attendez, c'est un stage impossible, pas d'événement, hein, donc ça va probablement pas être si impossible que ça. Faut s'appliquer quand même. Voyons voir, c'est vrai que eux on peut tous les lier, c'est vraiment trop bien le pouvoir. Ok. Non, 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 qu'est-ce que je fais? J'y arrive plus, voilà. Bon, ce qu'il faut, c'est réussir à aller en fever au plus vite.
J'espère quand même pas mourir contre ça, quoi. Enfin, je veux dire... Ouais, c'est peut-être pas le yokai le plus facile à battre du monde, mais enfin, faut pas abuser non plus. Ah, c'est bon, son âme ultime, elle est chargée, parfait. Ah, ce serait bien d'avoir Komajiro. Je vais y arriver, Komajiro, je vais l'avoir. Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, on utilise ça. Ensuite, on va utiliser aussi Komajiro. Ça va le tuer, ça va le tuer, attendez. Il a combien de vie? Il a... 19 800. Enfin, il lui reste 19 800 PV. C'est bon. Je pense que c'est bon. Avec les deux âmes ultimes qu'on va avoir, ça va le faire. Quoique. Parce que ça... Mais si, ça double les dégâts à la sortie de la fever, non? C'est bon. Oh, regardez, mais what? Mais en fait, elle fait aucun dégât, Blizzaria. Blizzaria éveillée, elle est nulle. Elle est genre carrément plus nulle que Omae tourbillonnant. J'aurais dû mettre Omae tourbillonnant tout à l'heure dans mon équipe. Je pensais que Blizzaria, elle était plus forte ou en tout cas équivalente, mais non. Après, je crois que aussi mon Omae tourbillonnant, il est à un haut niveau d'âme ultime, et en plus de ça, il est niveau 50. Alors que Blizzaria, elle est niveau d'âme ultime 1, et elle est niveau 36, 35, je sais pas, donc voilà, ça marche moyen. Et voilà. On va aller donc vers le dernier stage. Je vais garder mon équipe comme ça, parce que c'est pas mon équipe la plus forte, mais je vais la garder comme ça, parce que... Bon, ça va peut-être faire un petit challenge, parce que si le boss, je le bats en deux temps trois mouvements, c'est peut-être pas la peine non plus, enfin, ce sera pas drôle. Même si c'est quand même souvent le cas, hein. Les boss, ils sont pas si difficiles que ça. Ok. Oh là là, y a que des Blizzaria, là, c'est quoi cette histoire? Oh, je suis perdu! What, déjà? D'accord, pourquoi pas? Ouais, mais c'est nul, en fait. J'aurais pas dû faire ça. Bon, tant pis, vas-y. J'espère qu'il est chargé. Non, même pas. Il va l'être avec les deux autres. Lui que je détruis. Non, même pas. C'est bon, c'est bon. Ouf. Enfin, 9000 points de dégâts, ça l'aurait peut-être pas tué. C'est vrai, je sais pas. Très bien. Bon, bon, bon. Il reste combien de stages? Je pense que je voulais passer quand même, parce que c'est encore une fois toujours la même chose. Et voilà, l'avant-dernier stage va être terminé maintenant. En tout cas, le boss, je crois que je sais qui c'est. Il y a de grandes chances quand même que ce soit l'agent X, parce que c'est exactement au même endroit qu'était l'agent X dans, Yo-Kai Watch 3. Hein. C'était pas la dernière fois qu'on le combattait, mais c'était l'avant-dernière fois, parce qu'après on le recombattait dans la tour, là... la tour de Don Corleone. Mais ouais, je pense quand même que ça va être l'agent X. Parce que on m'a dit que c'était pas la dernière map. Si c'était la dernière map, ok, ça aurait pu être Don Corleone, mais non, c'est pas la dernière. Et voilà, l'agent X. Alors, je sais pas trop comment ça se passe, le combat avec l'agent X. Il va avoir deux phases aussi. Attendez, tais-toi, tais-toi. Je ne sais pas, je comprends pas ton charabia. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, non. What? Je peux plus éclater les globules, là? Oh non. Ah non, sérieusement. D'accord, donc comment je fais? C'est parce que là, s'il y a un yokai dont je peux pas me servir, c'est pas ouf. Oula. Et ça dure à l'infini? Bon, heureusement, il en a pris qu'un seul. Il peut en faire un deuxième et je peux le viser? Non, je peux pas le viser. Je ne sais pas. Je suis un peu perdu. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il me fait pas beaucoup de dégâts. Donc ça, ça va. Mais attendez, mais je suis complètement bloqué parce que là, c'est le même yokai. Enfin, attendez, il n'y a plus que des globules du yokai que je peux pas éclater. Je fais quoi, moi? D'accord. Je peux regagner des vies, mais... Pourquoi il y a marqué 3? Ah, parce que c'est plus que pendant 3 tours, peut-être. Ah ouais, mais attendez, mais... C'est pas drôle du tout, en fait. Bah ouais, je peux rien faire, moi. Ah là, c'est nul. Donc je dois attendre encore un tour, voilà. Oh là 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 là. Ah, j'aurais dû d'abord tout charger. Ah, ok. Alors, par contre, ça fait qu'on va pouvoir refaire la fever potentiellement. Enfin, pas si longtemps. Il va me reprendre un yokai. Oh non. Il a pris qui? Ça va, il a pas pris le pire. Bah, il aurait pu me sauver la vie quand même, mais... ouais, bon, je vais faire game over, je pense. Si je fais game over, je pense que je vais recommencer et... What? Attendez, on s'en est bien sorti là, c'est assez ouf. Mais non, faut attendre de sortir de la fever, non? Parce que ça sert à rien si je fais mes trucs là. Genre, je détruis quasiment rien.
Oh, ça va même pas charger, d'accord, ok. Je suis mort. Je suis mort. Bon, je vais pas continuer. Je vais recommencer le combat. Parce que j'aurais probablement... Enfin, je comprends un petit peu mieux comment ça se passe. Mais c'est un petit peu chaud, en fait. Mais vu que c'est une question de temps... Bah... En fait, ouais, c'est ça. C'est qu'une question de chance. Genre, il saisit le mauvais au début et c'est bon. Après, je suis un peu dans le caca. C'est bon, tais-toi. Voilà, on y va. Alors... Non, non, il... Oh, ok, il a pris le soigneur, d'accord. Pas ouf. Non, 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 mais attendez, mais... What? Ok, j'ai trop de mal. Mais attendez, mais... Il y avait un décompte qui avait commencé, et le décompte, il s'est arrêté, je comprends pas. Je sais pas, je ne comprends pas bien. Ok, bah ouais, mais non, mais là, je vais pas utiliser mes pouvoirs maintenant. Enfin, vous rigolez. Je vais pas utiliser mes pouvoirs maintenant, ça servirait complètement à rien. Voilà, parfait. Là, le problème, c'est qu'on a plus la fever. Bon, je peux essayer de lui faire beaucoup de dégâts, là, maintenant, mais... C'est ouf quand même, hein. Il est chaud, hein. Ah, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai utilisé maintenant? Ah, il est stun. Ça tombe bien, tiens. Voilà, j'ai regagné des vies. Je vais y faire mal, non? Finish? Finish? Ok, bah en tout cas ça m'a aidé d'avoir Komajiro, parce que Komajiro l'a stun, donc comme il était stun, il pouvait plus utiliser son pouvoir. Ouf! Et ben on a battu l'agent X et c'était pas facile. Même si bon, c'était probablement pas le boss le plus difficile du jeu, mais bon quand même. Bref les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Yo-Kai Watch Puni Puni. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner et on se retrouve je ne sais pas quand, mais prochainement pour la suite. Salut!